Bonjour les amis, c'est une catastrophe. On doit aller chercher Lily Rose chez une de ses amies parce que ça se passe super mal. Elles sont en train de se disputer. Sauf que regardez, sur la route, Valentin a oublié ses chaussures. Bah oui, écoute. Il a oublié de prendre ses chaussures, du coup on doit retourner. Mais qu'est-ce Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Mais docteur Foufou, qu'est-ce que vous faites ici? Bah je revends mes bonbons, mais y'a personne qui en veut. Non mais qu'est-ce que vous faites dans la rue? Vous êtes pas dans votre cabinet? Bah non, j'ai décidé de vendre des bonbons maintenant. Bon les amis, pour ceux qui le connaissent pas, c'est notre médecin, c'est docteur Foufou quoi. Bah, j'ai plus beaucoup de clients, alors je me suis mis à la vente des bonbons et y'a personne qui en veut. Y'a personne qui vient chez vous? Si, à part vous. Mais pourtant vous êtes un très bon médecin. Bah y'a que vous qui venez aussi. Bon écoutez, vous vendez des bonbons, c'est ça? Oui, justement j'en vends, est-ce que vous en voulez? Bah c'est combien? C'est 10 euros. 10 euros pour 10 euros. Tout ça? Non, pour ça. Non, pour tout ça. Pour tout ça. Bon, non, moi je veux bien 10 euros, mais pour tout alors. Bon, d'accord. Ok, ça marche? Bon, je vous prie. J'ai envie de bonbons. Les amis, on va pouvoir manger des bonbons trop bons, ça va être trop cool. Bon, au pire, on ira chercher Lily Rose plus tard. Bah, parce que si elle voit les bonbons, elle va vouloir tous les manger, c'est sûr. On le garde pour nous. Ok, 10 euros à faire conclure, c'est alors, bon. Alors, oui, je vous dis, ça, c'est une langue. Voilà. Une langue acide. Oui, tenez. Voilà. Oh, merci. Bon, les amis. Le panier. Oui, bon. C'est bien maintenant. On attendra un petit peu avant de repartir pour aller chercher Lily Rose. Tant pis, elle se dispute avec son amie. Et la prochaine fois, t'oublieras pas tes chaussures. Bon, les amis, on va aller goûter les bonbons tout de suite, allez c'est parti. T'inquiète pas Lily Rose, j'arrive. Reste chez ta copine un petit peu là. Au pire vous vous disputez. Comment ça? Elle a mis du slime dans tes cheveux? Ah mais c'est dommage, mais j'ai vraiment pas le temps. Tant pis pour Lily Rose. Hein. Ah non mais je veux vraiment trop goûter les bonbons. On profite de ça. Ils ont l'air exceptionnels. Regardez-moi ça, on va vous les montrer. Regardez les amis. Il y a une langue. Il y a une sorte de langue. Ah mais ça doit être un truc à la fraise. J'adore la fraise en plus. Ça doit être trop bon. Ensuite il y a ça, c'est quoi? Ah mais ça à mon avis c'est un spray. Regarde. Attends vas-y. Ouvre la bouche. Attention. Hop. Ah. Alors ça a quel goût? Ça a un goût de pomme, c'est bon, ça va? Ah, c'est trop bon, et regardez-moi ça! Et seulement pour 10 euros! Et ensuite, il y a lui là! Ah, ça, c'est quoi? Ah, bah, on dirait le docteur Foufou! Ah, oui, en à mon avis, regarde, faut pousser sur les pieds là! Ah, regarde! Et ça sort, il y a du bonbon qui sort comme ça! Ah, attends, j'ai goûté! Et on goûte tout, les amis! Ah, même ça, regardez, on dirait des. C'est des petites perles sucrées! Ah, ça a l'air trop bon! Bon, écoutez, on va vous faire une petite dégustation! Oh, vas-y, attends, moi je vais goûter. Ah, je vais goûter la langue! Ça a l'air exceptionnel! Bon, allez, les amis, on goûte et on vous dit ce que ça donne! Ça a l'air trop bon! Finalement, on a peut-être un petit problème. Là, je suis en train de goûter ce truc et. Ah! C'est vraiment pas bon! On sait pas ce qu'il a mis dans les bonbons, mais on dirait plus de la bave de limace ou. Ah! C'est dégoûtant. Je me suis vraiment fait arnaquer 10 euros pour ça. Et toi, Valentin, t'as goûté quoi? Ça... Valentin? Je me sens pas très bien. Valentin, t'en montres ton visage? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le visage? Tu commences à avoir des boutons verts. Des boutons verts? Regarde! Mais je peux pas voir. Attends, mais c'est une catastrophe, là. Attends, t'as pris quel bonbon? Bah, lui. On n'aurait jamais dû goûter ça. En même temps, quelle idée de goûter les bonbons d'un médecin fou. À mon avis, dedans, il a testé plein de recettes. Il nous a arnaqué. Ah. Bon, écoute, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne le voir. Il doit être à son cabinet. Oh là là. Bon, les amis, il faut qu'on aille voir le médecin. Il faut qu'on aille le revoir. Vas-y, on lui... Valentin? Oh là 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 là, ça a pas l'air d'aller du tout, là. T'es sûr que tu vas réussir à aller jusque là-bas? Bon écoutez les amis, on va tout remettre dans le panier. Hop, voilà, on va tout remettre là. Ah mais regardez, il a goûté ça aussi. Et en même temps Valentin il en a un peu trop goûté. Et c'est vrai que celui-là il était particulièrement dégueu. Il sent un peu la vieille chaussette. Ouais, ça a pas l'air d'aller hein. Bon écoutez, on se retrouve une fois chez le médecin. J'espère que d'ici là ça ira. Oui j'y pense. Moi aussi j'ai goûté les bonbons. Ça tombe, moi aussi je vais me retrouver avec des boutons. Oh non! Les amis, je commence à pas trop me sentir bien non plus. Regardez tous les boutons que j'ai sur le visage. Et Valentin, c'est de pire en pire. Regardez-moi ça. Bon, le médecin, on l'a entendu, il est dans son cabinet. Mais on a peur de rentrer parce que ça tombe, il a fait exprès de nous rendre malades avec ses bonbons. Tout ça pour qu'on vienne chez lui. Tout ça pour avoir des patients, pour... Oh, bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, Monsieur, à cause de vous. Vous êtes déjà là? Vous nous avez arnaqué. Vous êtes déjà là?
Dis donc, ça a été vite, hein. Vous nous avez arnaqué, monsieur. Bah écoutez, non, je vous ai pas arnaqué, j'ai testé. Mais ça m'étonne. Non, écoutez, vous avez rien testé du tout. Quand on a commencé à manger vos bonbons, après on est tout de suite tombé malade. Regardez son état. Bah, c'est pas normal. Normalement, il devrait être jeune, son bouton. Et là, lui, il a mangé ça. Ah oui, d'accord. Et ah, du oui, coup, regardez, bah, il a mangé ça, du coup. Il a des boutons verts. Et moi, j'ai mangé la langue rouge. Du coup, regardez. J'ai des boutons rouges. Écoutez, non, ça a marché. Vous allez nous rendre les 10 euros. Les 10 euros. Vous allez nous rendre les 10 euros. Vous voulez pas que je vous soigne? Parce que ça, c'est de l'arnaque. Et vous allez nous soigner gratuitement parce que on en a marre de se faire avoir comme ça. Bon, quand c'est pas la sorcière qui nous piège, c'est un faux médecin. Vous êtes Je suis un vrai médecin. Le médecin le plus nul. Écoute. En fait, bon, c'est vrai, je vous ai fait goûter les bonbons. Bon, ils sont un peu périmés, et c'est parce que j'ai pas beaucoup de patients. Alors, il fallait que... Oui, bah, bon, on s'en fiche, en fait, nous. Le remède, voilà. On veut le remède. Ah, bah voilà, bah, justement, j'ai ce qu'il faut, regardez. J'ai la potion Pink Lily. Alors, regarde, il suffit d'en boire quelques gouttes. Allez, voilà, on se dépêche. Hey, pas trop, mais sinon... Ouais, bon, allez, moi aussi. Voilà, stop. C'est dégoûtant. C'est 10 euros par contre. Non, 10 euros. Non, on récupère nos 10 euros. Bon, tu les as récupérés. Rendez-nous nos 10 euros pour les bleus. De quoi cela? Allez, Non. Et comment je vais faire, moi, pour acheter ma nourriture? Mais c'est pas mon problème, vous avez qu'à pas nous arnaquer avec vos bonbons maudits. Mais j'ai pas fini. Allez, bougez. Et il y a un autre traitement. Et j'espère qu'on va aller mieux très vite. Sinon, on ira voir la police en disant que vous êtes un charlatan, un arnaqueur. C'est bon, j'ai récupéré mes 10 euros. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite pour voir si ça va mieux. Parce que pour l'instant, son médicament, sa potion Pink Lily, elle avait juste le même goût que les bonbons. Un vieux goût de limace moisie. J'ai oublié de prendre votre température. Mais on veut pas de température, on veut plus de vous. Ah, j'en peux plus. On dirait bien qu'on va mieux, là. C'est bon, moi, je commence à perdre les boutons. Valentin, il en a déjà plus. Ouais, heureusement. Ça va donc, sa potion là, ça a bien marché, heureusement. Parce que sinon, on serait allé voir la police, hein, croyez-nous. Parce que là, on était vraiment super mal. On a dû se reposer un peu. Bon, en plus, les amis, on a totalement oublié Lily Rose avec toute cette histoire. Elle est encore chez son amie. Elles sont toujours en train de se disputer. Là, elle m'a envoyé une vidéo. Là, elle est en train de faire des blagues à tout le monde. Là, devinez ce qu'elle a fait aux parents de son amie. Elle est allée dans leur lit, elle a mis plein de mayonnaise sur les oreillers, dans les oreillers, tout ça. Donc Lily Rose, elle est en train de faire plein de bêtises. Donc on va aller la chercher tout de suite chez son amie avant que ça dégénère. Donc les amis, nous on va s'arrêter là, je pense, avant qu'il se passe une catastrophe chez l'amie de Lily Rose. On espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a fait rire. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao.